Bonjour YouTube World. On est encore sur l'île de Madeira. Donc on est, on dirait qu'on est sur une autre planète, mais on est à la pointe Saint-Laurent ou encore, si vous aimez mieux, la Punta de São Lourenço. La mission pour commencer, c'est de ne pas tomber sur Las Fofunas. Ça donne vraiment des allures d'être sur une autre planète carrément. On est très tôt le matin, il faut dire. C'est pour ça que c'est un peu sombre en ce moment. Mais c'est aussi très, très nuageux. Je suis en train de prendre des belles photos. Que vous allez voir prochainement sur Instagram. Oui, c'est beau. Incroyable, hein? On est un petit peu magané. En ce troisième jour, notre Pico Duero, tu Pico Ruivo, c'était une des randonnées les plus extrêmes qu'on a jamais fait de notre vie, donc considéré comme étant difficile. Et c'est deux jours après qu'on réalise que on a mal partout et qu'on n'est plus jeune non plus. Donc, on est magané. On a des muscles qui se sont réveillés, des muscles qui étaient endormis depuis longtemps. Être dans une randonnée comme ça, c'est comme aller au gym, puis tu peux pas arrêter ta séance de gym quand ça te tente. Une fois que une fois que le chemin est commencé, faut que tu ailles jusqu'au bout. Faut que tu retournes à la voiture. Alors, dans notre cas, ça a pris presque 9 heures, la Pico do Arrivo to Pico do Ruivo. Ça continue, mon portugais va devenir presque parfait. Même si on a mal partout un matin, mais cette douleur qu'on ressent, cette fatigue, ça en vaut la peine. Mais rien de mieux pour se sentir vivant que cette douleur qu'on a eue faisant cette marche incroyable avant-hier. Celle-là de la paupière aussi, mais un petit peu moins extrême. Au niveau physique. Elle est considérée sur All Trails comme étant modérée. Parce qu'il y a quand même des petits bouts qui sont durs. Qu'est-ce que c'est ça? Sur l'affiche que c'est depuis 1994 qu'ils ont décidé de protéger ce lieu. Pas avant. C'est par là-bas! Je pense qu'une note de 0 à 10, c'est pas assez pour cet endroit. C'est vraiment incroyable. C'est pareil.
ça. Dans cette belle journée de pluie. La péninsule était quand même assez mince ici. Puis ça fait vraiment comme une queue de dragon. Alors on a de l'océan sur les deux côtés. Incroyable. Incroyable. Ah, c'est pour ça que je fais. Celle-ci, c'est incroyable. J'ai utilisé le mot incroyable. J'entends le bruit de l'avance. Jamais vu ça de ma vie. Par là-bas. C'est par là-bas. Un autre que j'ai aidé. Un autre. Ici, c'est l'endroit parfait pour les souvenirs et les preneurs de photos. Des occasions de photos ici, il y en a
à la pelletée. Alors, on s'en va au bar. Donc, en pleine randonnée, on s'en va au bar. Peut-être prendre une petite poncha. Okay. Là, à ce moment-ci, je dois vous dire, c'est le plus loin qu'on peut aller. Parce qu'ici, il y a comme une espèce de... Donc, on tombe dans... directement dans l'océan. Republika Czech. Czech Republic. Oh! Canada. How do you say it's beautiful and Czech? Nádherný. Nádherný? Nádherný nebo krásný. Par là-bas! Continue, petit dessin! Ok! Essaye! Thank you! Welcome! En santé! En santé! Quelle randonnée, hein? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'une oasis, un bar comme ça, à la fin de la randonnée? C'est-tu pas? Pas, mais hier, à ta malheur que tu là. C'est bon, mais hier, ta malheur. Troisième puncha que tu prends, puis que t'es arrivé? Oui. La bière chorale, c'est la bière locale ici. La bière de Madère. Ah bon? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit au monde? On dit venez, venez pas. Venez, quelqu'un qui est amateur à randonnée. C'est une venez. Randonnée. J'aurais dit 1000 sur 10. Chantal a donné 1000 sur 10. C'est incroyable. C'est... Chantal est difficile sur le vin, mais sur les randonnées. Mais en tout cas, sur celle de randonnée ici, eh bien, elle dépasse de 900% la note de base. Ah, c'est 1000 sur 10. 1000 sur 10. Ah. Quelqu'un qui aime ça la randonnée? Je pense que c'est probablement une des plus belles randonnées. Quoique Pico do Aero, ou Pico...
Ruevo était belle, était souffrante, était douloureuse. Celle-ci n'est pas douloureuse, elle est seulement belle en panorama. Les vagues qui frappent les rochers tantôt. Ça frappe pas. Ah, c'est incroyable. Alors, venez. Donc, c'est au Portugal. C'est sur l'île Enchanteresse de Madère. Donc, c'est une île qui est au large du Portugal. Donc, en territoire portugais. Ça vaut la peine. C'est vraiment merveilleux. Certaines des randonnées les plus belles qu'on a jamais faites. Santé. Santé. Et abonnez-vous. Donc, pour profiter de d'autres vidéos excellentes comme celui-ci. Des très bonnes vidéos. Ouais, au revoir. À la prochaine. Santé. À bientôt. Vous pouvez passer. C'est gratuit. Si vous avez envie d'aller aux toilettes, c'est 1 euro, par exemple. Oui, en effet, ça coûte 1 euro pour aller aux toilettes. Les madames sont désavantagées. Parce que les messieurs, ils font à peu près ça. Où est-ce qu'ils veulent? N'importe où! Avant de repartir à la maison, un dernier petit coup d'œil ici, à ce point de vue incroyable.